Aujourd'hui, on s'attaque à du lourd, à du très très lourd même. Si je vous dis la comédie culte parmi les comédies cultes, si je vous dis les 5 truands préférés des Français, vous me répondez ? Eh oui, ces 5-là. Ces 5 lascars, les tontons flingueurs. Bienvenue dans cette analyse de film, bienvenue sur la 7ème production. Les tontons flingueurs, c'est parti ! Les tontons flingueurs est une comédie franco-germano-italienne réalisée par Georges Lautner en 1963 sur le scénario d'Albert Simonin. La musique de Michel Mann et évidemment les dialogues du grand Michel Audiard. Le casting est impressionnant, il regroupe les grandes gueules du cinéma français, avec Lino Ventura dans le rôle de Fernand Audin, un ex-truand reconverti dans la négoce de matériel agricole à Montauban, Bernard Blier dans le rôle de Raoul Volfoni, Jean Lefebvre, le frère de Raoul Volfoni, Paul Volfoni, Francis Blanche, maître Folas, dit le notaire de Louis le Mexicain, Robert Dalban, dans le rôle de Jean le majordome, on se rappelle tous du fameux « Yes, sir !» Venantino Venantini, dans le rôle de Pascal, le fidèle second de Fernand. Et enfin, Claude Riche, dans le rôle d'Antoine, l'amoureux de Patricia, l'insupportable gendre. Parlons à présent du synopsis des tontons flingueurs. Fernand Audin, qui s'est retiré des affaires mafieuses depuis pas mal de temps, se retrouve un beau matin convoqué par son ami Louis, dit le Mexicain, qui est à l'article de la mort. Celui-ci lui lègue comme beau cadeau, eh bien l'empire mafieux qui comprend la prostitution, les jeux, le faux d'alcool, donc avec une distillerie, etc. clandestine, et la lourde tâche de s'occuper de sa nièce, Patricia, la nièce de Lino Ventura, la fille de Louis le Mexicain. Tout pourrait bien se passer, sauf que les Volfoni, Théo et Thomas, donc les truands qui sont sous les ordres du Mexicain, vont vouloir se partager l'empire. Et c'est là que commence véritablement la comédie des tontons flingueurs, avec des scènes qui resteront dans la mémoire du cinéma français. Le film est le symbole d'une époque dépourvue de tout hygiénisme social. Alcool à profusion, gitanes et gauloises dans chaque scène, pas de port de la ceinture dans la voiture ou encore nourriture pas franchement diététique. Si vous n'avez que ça à faire, comptez le nombre de cigarettes dans le film et dites-le nous dans les commentaires. Bon, on va pas se mentir, si vous regardez Les Tontons Flingueurs en 2019, vous vous rendrez compte que ce film est parfois un peu d'un autre temps. Quoique, pour moi, il est indémodable. Mais le véritable intérêt des Tontons Flingueurs réside dans les dialogues de Michel Audiard. Ces répliques cultes que l'on retrouve partout et dont je vous propose maintenant un petit palmarès. Vous croyez qu'ils oseraient venir ici? Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Seulement, on a dû arrêter la fabrication. Il y a des clients qui devenaient aveugles. Alors, ça faisait des histoires. Allez. Vous avez beau dire, il n'y a pas seulement que de la pomme, il y a autre chose. Ça serait pas des fois de la betterave? Hein? Si, il y en a aussi. Happy birthday to you, happy birthday to you. T'as déjà vu ça? En pleine paix? Quelques anecdotes sur les tontons flingueurs, ce film n'a pas fait l'unanimité de la presse à sa sortie en 1963.
En vrai, la presse pense que c'est une bonne parodie, un divertissement, mais qu'elle est surtout caricaturale de la société des années 60. Une autre anecdote, par exemple, fut que ce film est la première collaboration entre Gérard Lautner et Michel Audiard. Ils tourneront encore plusieurs films ensemble, notamment Ne nous fâchons pas, que peut-être on parlera sur cette chaîne, avec Lino Ventura et Jean Lefebvre aussi. Mais aussi Le Professionnel, sous la musique magnifique d'Ennio Morricone et avec Jean-Paul Belmondo. Pour vous donner une dernière anecdote sur les Tontons Flingueurs, on peut voir que la production ne voulait pas de Lino Ventura dans le rôle de Fernand Naudin. En effet, c'était Jean Gabin qui était destiné au rôle, mais Gérard Lautner a réussi à imposer Lino, qui lui-même ne se trouvait pas extrêmement à l'aise dans le costume de la comédie, dans le costume humoristique qu'il incarne dans les Tontons Flingueurs. Ça change exactement du « Touchez pas au Grisby » ou du « Gorille vous salue bien ». Donc voilà, je pense que c'était plutôt un mal pour un bien et on est très content de voir Lino Ventura dans ce film. Et bien voilà, j'espère que la vidéo sur les Tontons Flingueurs vous a plu. On pense, nous, en tourner d'autres sur d'autres grands films français. N'hésitez pas à vous abonner à la 7ème production, à partager la vidéo, à mettre un commentaire, vraiment, c'est très important pour nous. Nous suivre sur les réseaux sociaux, et je crois que je vous ai tout dit. Je vous dis merci encore une fois, et à très bientôt sur la 7ème production.